Un président sous le feu des bombes et ses mots devant le Parlement européen sont ceux de l'appel à la solidarité. Volodymyr Zelensky s'est exprimé devant les responsables européens pour réitérer la demande d'adhésion de son pays à l'Union européenne. Nous avons prouvé notre force. Nous avons prouvé que nous étions exactement comme vous. Prouvez donc que vous êtes avec nous. Prouvez que vous êtes des Européens et que la vie l'emportera sur la mort et la lumière sur les ténèbres. L'appel est bien reçu par la présidente du Parlement européen. Nous saluons, Monsieur le Président, la demande ukrainienne d'obtenir le statut de candidat et nous sommes à vos côtés dans votre combat pour la survie dans ces moments sombres de notre histoire. Les eurodéputés devront se prononcer sur le fait d'accorder ou non à l'Ukraine le statut de candidat à l'Union européenne. Toutefois, ce vote n'a rien de contraignant. Une procédure d'adhésion en urgence nécessite l'accord des États membres.